Come and see him even. Un petit mot sur l'action? Oui, c'est une action de VNEDF pour sensibiliser les gens pour le 25e anniversaire de Tchernobyl. Les partis politiques, ils sont des voyous. Je dis pas, je suis la personne qui. Le porteur de parole. Non, je suis le porteur de parole. Les partis politiques, ils ont trompé la population française depuis 1945. Ils se sont mis d'accord, les partis qui avaient accès au pouvoir, pour ne pas remettre en question la question nucléaire. Et la France est accès au nucléaire par le militaire. La France de 1945 était en ruine. Enfin, ouais. Comment on a de la fiche. 10 ans, c'est une grosse récupération. Ah, tu l'as en Inde. En Inde, 95% des gens, ils ne veulent pas et tout. Oui, mais il y a un. Arriva une police privée là-bas. Ils ont fait un respect. C'est normal. Bah ouais, Thank you.
neige, non aux particules. Mais ça durera un petit moment, hein. Parce qu'il n'y a pas de chauvin, il n'y a rien d'autre pour l'instant. Comment si, ah bah si, mais faut le faire. Ah oui, mais faut le faire pour quelques années encore. Les alternatives, il y en a. Oui, oui, vous savez, de toute façon. Les campagnes d'économie d'énergie, vous. L'esprit des hommes aura toujours des idées qui rapporteront du pognon d'abord. Ouais, mais. L'histoire a prouvé que la sagesse pouvait l'emporter. Hein. Mon cher monsieur, il y a de l'argent. C'est la religion, la politique. Bon, vous savez, j'ai 85 ans. Je vous trouve un petit peu pessimiste quand même. Non, je suis pas pessimiste. Ma vie est finie. Alors, moi, c'est à vous que je pense. Votre vie n'est pas finie. Vous. Vous avez plein de choses à transmettre. 85. Vous avez plein de choses à transmettre, madame. J'entends ça. J'ai vu des tas de choses. J'ai vu la guerre, j'ai tout vu. J'ai vu la politique aussi, puis ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Puis les gros sont toujours les gros et les petits, les petits. Vous diriez pas que Sarkozy, il est pire que le maréchal Pétain quand même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein. Ah oui, mais Pétain, c'est quelque chose. Bon, mais oui, on vient de... Oui, mais non, mais vous êtes rigolos tous avec Pétain. Mais Pétain, il suivait ce qu'on lui disait de faire. Ce qui... C'est-à-dire ce que les Allemands voulaient faire. Ah, parce que les Allemands, ils ont ouvert des parapluies. Ouais. Comme toujours, d'ailleurs. Ouais. Hein. Bon, mais alors, Sarkozy... Comme l'occupant. Sarkozy, il va pire que... Le procès de Rayon, on lui a pas imposé. C'est lui qui a voulu quand même faire juger la France par elle-même. Les cinq ans, avec de la milice dans la rue, puis des cheveux tous les jours derrière vous, quand vous étiez au cinéma et que je vous attendais à la sortie, pour voir si vous étiez pas armé, quand vous marchiez pas sur un trottoir de droite, ils vous harponnaient, il fallait descendre à droite, remonter à droite. Pour mettre depuis, il n'y a pas un peu de progrès, vous ne trouvez pas? Si. Quand même, mais, hein? Oui, mais pas dans le bon sens. Ah ben, progrès dans le mauvais sens, ça s'appelle revenir en arrière? Non, mais trouver autre chose. Le problème nucléaire, c'est qu'il laisse des déchets pour 100 000 ans, voire plus. Et ça, c'est des réalités physiques, on ne peut rien y changer. Oui, mais peut-être que d'ici que commence à être un peu. Oui, mais attendez, on ne peut pas jeter une pièce en l'air. Non, on ne peut pas s'en remettre au hasard. Non, mais je veux dire, pardon ? On discuterait comme ça pendant que des fois. Oui, mais c'est des choses sérieuses, madame. À l'heure où on parle, au Japon, ils se font irradier, ou là où on parle. C'est pas une question, c'est pas une question. Là où tu vas. Mais, d'accord, mais alors faisons pas comme si on savait pas, parce qu'on n'a pas d'excuses là. Hein, donc c'est le tremblement de terre au Japon, ça va être les cyclones à la Nouvelle-Orléans, et puis ça va être, je sais pas moi, une grosse marée en Bretagne. Monsieur, merci.
peur de ne pas faire le débat. Il y a deux actions différentes. C'est un peu choc, ça se pose vraiment. Moi je fais tout le monde. Steve, il y a un petit truc sur Terre, tu es prêt pour le grand public, l'importance de ce type d'action. Oui, bah, c'est pour sensibiliser les gens sur le nucléaire. Car en France, on a cette obsession. Il faut arrêter le nucléaire. Mais, ça fait des années qu'on répète la même chose. Mais tu n'as pas peur que de coller des affiches sur une boutique, ça fasse peur aux gens? Non, justement, c'est pour sensibiliser. Car, par exemple, le cas de la France nucléaire. Comment tu peux trouver cet emploi? Bah, tu peux pas. Malheureusement, c'est une ONG qui veut publier cette carte avec tout le site de nucléaire en France, car il n'y a pas que les nucléaires civils, il y a les nucléaires militaires aussi, et les mines, et tout le centre de retraitement, il y a plein de trucs. Donc il faut vraiment que les gens soient conscients de ça. L'action, c'est aussi alors une action pour informer. Exactement. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Informer? Oui. Bah, c'est-à-dire que. Peut-être les gens ne savent pas où sont les centrales, peut-être ils pensent oh, c'est loin de chez moi, c'est pas chez moi, donc, tranquille, mais non. Partout en France, tu trouveras un truc. Tu fais ça bien, hein? Ouais, tu t'appliques? Bah ouais. Allez, okay. Les Japonais, c'est normal parce que. Ah oui, par contre, c'est malheureux pour les gens qui ont laissé leur cours. Moi, je dirais qu'il faudrait presque. À cette limite-là, ça bouge tout le temps au Japon et ça bouge dur. Et moi, à Japon, je voudrais dire aux Japonais, je les mongols, je sais pas moi. Pourquoi pas, puisqu'ils sont ici. Tous les Asiatiques sont issus de Mongolie. Il faut retourner chez eux. Bah, je sais pas. Je trouve que moi, j'irais pas habiter au Japon. Là où le problème est, c'est d'avoir pu contrôler les centrales nucléaires sur une zone sismique. Tout à fait, oui. Alors là, nous sommes là. Là, c'est pas bien. Ils auraient dû prendre en compte avant. Mais cela dit, je ne veux pas me couper sur la parole. Cela dit, en France, on a bien eu il n'y a pas très longtemps des gens qui avaient construit un bolide. C'est stupide aussi, c'est des gens qui foutent la branche sur laquelle ils sont assis. On est bien d'accord. Alors bon, là, c'est. Alors évidemment, aujourd'hui, on en fait tout un pataquès parce qu'il y a ça, ça a explosé. Moi, les gens qui sont autour, c'est clair que mal s'en sortir, comme la bombe qui a sauté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair que ces gens-là, ils ne sont pas bien sortis. Bon, moi, je ne vois pas trop de qui sont du fond pour fabriquer de l'électricité au jour d'aujourd'hui. Autrement qu'avec l'industrie nucléaire. Voilà, je suis désolé. Mais bon, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire mieux avec d'autres moyens. D'ailleurs, même l'électricité, on en a besoin partout. On veut même en mettre dans les voitures. C'est une énergie incontournable. On va pas remonter les gazogènes comme on l'a fait à la Deuxième Guerre mondiale, faire rouler les voitures. C'est propre en plus, c'est parce que là, je pense que c'est tout le monde. Les batteries qui marchent tout seules, qu'il faut recharger, bien sûr, c'est absolument beaucoup moins probablement que la salopée de pétrole qu'on achète à nos amis arabes. Oui, bonne année. Moi, je ne vais pas tarder. Elles sont parties là-bas, non ? Oui. Ah, mais je te fais un effet. Oui, It's meant to be a third generation reactor, but just marketing. It's like a normal reactor, but they just try to sell it. It's not like it's in the States already, right? Because the States have two. But they want to build some soon. In the States? Not you.
Vas-y, je te suis. Poisson quoi pour eux, enfin pour les locaux, c'est sûr le nucléaire. Et c'est sans danger même quand ça explose, la preuve. Vous sensibilisez aussi les gens là-dessus. Et ben en fait, donc ce qu'on a fait, donc on a fait donc des actions de porteurs de parole où on avait des cartes de réseau là. Et donc on leur demande, enfin la question c'était comment sortir du nucléaire. Et en fait on voit bien que, a priori, les gens ils disent que c'est un trop grand risque à prendre. Il y en a beaucoup, en fait, ils disent que de toute façon on ne nous a pas demandé notre avis. Donc en fait, tu sais, Simone de Beauvoir, elle disait dans le deuxième sexe que les femmes elles ne s'intéressaient pas à la politique parce qu'elles n'avaient pas de droit au chapitre. Donc elles s'occupaient plutôt des choses, je ne sais pas, quotidiennes, machin. Ben pour le nucléaire, j'ai l'impression que c'est vraiment similaire. On ne demande pas notre avis. De toute façon, même si on est contre, eh ben, ça se fait quand même. Donc les gens ils préfèrent penser à une chose en sachant qu'un jour ça pètera et qu'en attendant, il faut vivre. Et de toute façon, on ne nous donne pas la possibilité d'avoir un avis ou pas. Il n'y a pas d'informations. Et ben, pour ce qui est des dangers du nucléaire, les gens commencent à en prendre conscience. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, on en prend conscience un petit peu. C'est que les gens n'ont pas conscience que le danger qu'il y a au Japon, il y a le même chez nous. Exactement là où on est, quoi. Il y a exactement la même épée de Damoclès autour de nos têtes. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour que les gens prennent conscience, quoi. C'est peut-être même pas suffisant. Mais en tout cas, l'explosion de Tchernobyl, on peut dire oui, alors c'est le communisme périclitant, voilà, donc c'est compréhensible que ça explose, leur technologie elle était faible. Le Japon c'est quand même le pays le plus technologique du monde, donc on peut pas dire que c'est une erreur de conception, comme nous disent EDF, voilà, en fait ça arrive. Donc nous qu'est-ce qu'on dit à la population? Eh ben on essaie de diffuser ce message en fait, ce qui n'est pas évident parce que on a des modes d'action qui sont peut-être pas encore très efficaces. D'ailleurs, les ingénieurs français qui sont appelés à la rescousse par les Japonais sont tout aussi démunis qu'eux, quoi, face à la catastrophe qu'il y a. Comme ça s'est passé après Tchernobyl en Allemagne. Il y a eu un peu un regain politique des Verts et des écologistes après avoir subi les conséquences directes d'une pure radioactive. En tout cas, on peut se poser, on peut faire un parallèle entre Tchernobyl et puis le... Ça vous intrigue, monsieur? Ça vous interpelle? Là, ça m'intéresse pas. C'est un... Si avec ça. C'est un déluge. C'est un déluge, j'espère. Voilà, en fait, c'est un projet, quoi. Pardon ? Les médias nous cache la vérité. Une partie, quoi. Il y a des personnes qui sont décédées, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ces gens-là, ils vont mourir.
l'utilisateur que je prends dans ce là. Regarde, blablabla. Sarkozy, on va donner un temps de 20 millions là-bas. Il donne des millions à Ballon, Babou, là, c'est pas grave. Il donne un cas d'artiste. Non, non, ouais. Il donne un cas d'artiste. Et où il prend ce pognon, ce pendouille? Où il passe le pognon? Où il passe? Ah non. Je suis parti. Yep. Ça sort pas de poche à lui, hein. Ouais. Salut. On a 1 milliard 587 millions de déficit. Ah, c'était la idée? Ah, c'est la dette officielle. Mais t'as qu'un terme de table, on n'en parle pas. D'accord, c'est et des composés radioactifs, en particulier la cisterne 37.
La population ukrainienne, à travers 20 ans d'espérance de vie, en une génération, est celle de 5% des enfants français. Sur le plan économique, la Chine est un véritable groupe financier, puisque rien ne le trouve. Sa sauvage devrait coûter dans la capitale 1,5 milliard d'euros à la construction. En plus grave, et du gouvernement japonais et de la situation qui ne s'améliore pas. Pire, les autorités devraient élargir le périmètre d'évacuation et mettre une partie de la population qui vole à la nuit. Les titans n'est rien. Ne pas perdre la page, ne pas voter le site de faiblesse, surtout ne pas remettre en route.